Habitants de tout âge, à l'heure du repos, en attendant l'ouvrage, écoutez quelques mots. Un jeune militaire, revenant de la guerre, content, plein de bonheur. Ce soldat brave et sage, rentré dans son village. Avec la croix d'honneur, avec la croix d'honneur. Passant à la fontaine, la femme de Perrier le reconnut sans peine, cet aimable guerrier. Elle lui dit: Mon très cher frère, voilà notre chaumière, venez voir mon époux. Perrier, la bonté même, entends-moi qui vous aime, allons, rentrons chez nous, allons, rentrons chez nous. Perrier, voici mon frère, comment le trouvez-vous? Très bien, merci, j'espère qu'il soupera chez nous. Perrier, laissez-moi faire, je m'en vais chez mon père, j'aime bien l'aller voir. Avec ma tendre mère, qui me fut toujours chère, qui me fut toujours chère. Avec vous, mon cher frère, je vais à la maison. N'y venez point, ma chère, je veux taire mon nom. Je veux voir si mon père, sous l'habit militaire, reconnaîtra son fils. Je parlerai d'Afrique, mon père Dominique. On sera tous surpris, on sera tous surpris. Frères et sœurs, le temps presse, embrassons-nous, bonsoir, demain, après la messe. Salut, vainqueur d'Afrique.
Dans sa douleur amère, la femme de père.
annoncer sa mère devant le brigadier. Et la gendarmerie saisit cette furie qui ne dit pas un mot. Il est très irritable qu'on laisse cette coupable dans un noir cachot. Dedans un noir cachot. Est-ce que la loi ordonne, la justice donne raison? On doit, comme la femme, mettre l'homme en prison. Les parents détestables se reconnaissent coupables, ils le déclarent encore. La divine justice va prononcer le supplice.